L'œillet rouge le matin, le soir apporte le crachin. Non mais moi Stéphane, ce que je préfère c'est la plage avec son coucher de soleil le soir. Ça ne m'étonne pas de toi, parce que la rougie, le soleil rouge du matin met la mare au chemin, ouais. La rougie du soir met la mare à sec. Donc des beaux jours. Donc forcément, toi tu préfères celle du soir, la rougie du soir qui t'apporte du soleil pour le lendemain. Ah, ça me parle bien ça. Il est temps de vous dire bonjour. Bonjour. Et bonjour. Aujourd'hui sont au programme des innovations. Nous allons parler zéro déchet, que ce soit au jardin ou en cuisine, mais aussi nous allons vous apprendre à tailler des buis et à faire de l'aquarelle. Youpi, yahoo, c'est le sommaire. Dans ces bassins, une passionnée nous explique comment elle cultive la spiruline et permet aux souches de se multiplier pour nous offrir un aliment hors du commun. Des plantes dans des contenants recyclables, un substitut à la cellophane à base de cire d'abeille, en route vers le zéro déchet. Nous visiterons les jardins d'Albizia, où se succèdent des ambiances aussi différentes que dépaysantes, où le promeneur devient joueur. Et sans tarder, retrouvons Stéphane à l'heure où les bateaux rentrent au port. Bien vite, il file vers la poste, non pas pour déposer son courrier, mais pour retrouver Arnaud, qui vit ici, et l'aider à transformer son jardin. Arnaud? Oui, bonjour Stéphane. Bonjour Arnaud. Ça va? Ça bien et toi? Ouais, ça va. Alors, c'est ce petit endroit dont il s'agit? Oui, absolument. Alors, raconte-moi. Alors, c'était une petite cour privative des postiers avant, mais c'était les appartements de fonction. Ah. Et quand j'ai racheté ce bâtiment-là, c'était complètement laissé à l'abandon, c'était pas très joli. Donc, il y avait des grillages en fer qu'ils ont retirés pour mettre des parpaings. Ah, très joli parpaing, oui, oui, oui. Malheureusement, mais en même temps, ça permet d'avoir une sorte d'intimité malgré tout. Oui, mais le côté béton n'est pas très agréable. D'accord. Donc par la suite, j'ai mis des palissades en bois que j'ai lasurées. Ouais. Et j'avais eu l'ambition de commencer avec des plantes grimpantes. D'accord. Pour mettre de la couleur, des odeurs. Ouais. Sauf qu'avec mon travail, c'était un peu compliqué de... C'est resté à l'état de projet. Exactement. Et aujourd'hui, il s'agirait de finaliser, mais dans quel sens? Mettre des plantes grimpantes sur le projet. J'avais déjà installé des rosiers avec l'aide de ma mère qui m'avait gentiment aidé. Ouais. Et j'ai une terre assez sableuse, donc mis des plantes provisoires pour garnir un peu cette petite cour. D'accord, les lavandes ont l'air de se plaire. Oui. Des agapantes, beaucoup. Un peu trop. C'était provisoire, c'était pour garnir un peu tout ça. D'accord. Et en même temps, tu parles de parfum. Oui. Les roses, je comprends bien, donc il y a quelque chose dans ce sens-là. C'est toujours agréable d'avoir des belles roses qui se développent, ce serait plus sympathique. Ouais, le parfum des lavandes, le parfum des roses. Et donc là, l'espace, on pourrait imaginer le rétrécir et mettre plus de plantes. Non, je voulais garder dans l'esprit un côté pour recevoir un peu de monde, pour un apéritif entre amis, un barbecue. Bon, si je comprends bien, il faut importer de l'intimité, apporter peut-être un peu de parfum, oui, et un petit peu de densité pour que ce soit encore plus enveloppant. Absolument. Ça marche. Dense et enveloppant, vite à dessin pour un projet parfumé. Voilà, donc juste à côté de la clématite montana, qui a mis du temps à s'installer, on va planter un Trachelospermum jasminoïde et puis un peu plus loin une glycine. D'accord. Là, sur ce mur, plein sud, on va installer une bignonne parce que les bignonnes, ça aime bien la chaleur. Et puis enfin, un peu de couleur, ça fait pas de mal. Oui. Ici, peut-être plus à l'ombre, un chèvrefeuille. Et entre les deux, un solanum jasminoïde, blanc. Ça va faire des belles couleurs. Oui. L'idée, c'est qu'à terme, toutes ces plantes investissent complètement le claustrat et qu'on soit dans une espèce de... derrière un mur vert. D'accord, oui, c'est agréable. Donc là, on va passer en dessous. On va déjà désherber toute la plate-bande, voir un peu l'espace qu'il reste. On va... peut-être enlever quelques-unes des agapantes, oui, pour faire un peu de place et installer d'autres choses. Donc là, ici, on a notre joli rosier qui va finir par grimper un jour, je n'en doute pas. Et on va pouvoir installer quelques arbustes qui, eux aussi, sont appelés à grandir. Au pied de tout ça, on pourrait installer des plantes à fleurs, d'autres couvre-sol. Et pour apporter un peu de flou et un peu de liberté, quelques graminées. D'accord. Voilà, je pense que la proposition est simple, mais beaucoup plus enveloppante. Ah oui, ça a l'air de très bien. Ça te plaît? Ah, beaucoup. Super. Il y aura un passage de débroussailleuse pour y voir plus clair. Du labour au pied des murs, des plantes volubiles pour envahir les treillages, des graminées, des plantes fleuries, des aromatiques, des lanternes et le mot de la fin. Avec toutes ces rampantes, je pense qu'on va avoir un beau petit coin de paradis ici. L'été arrive, vous allez peut-être en profiter pour vous poser dans votre jardin, l'admirer et pourquoi pas le dessiner. Nous allons prendre un cours d'aquarelle avec Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Bonjour Anne-Claire. Alors tu as décidé d'affronter le grand maître du dessin. Tu es venue chez Stéphane. Non, non. Non mais ce qui est génial, c'est qu'effectivement avec l'aquarelle, eh ben, on peut se lancer et avoir un résultat très joli. C'est ça, tout de suite très joli, à condition de maîtriser un minimum l'eau. Ça prend un petit peu de temps, mais au fur et à mesure, on progresse et on progresse relativement vite, surtout si on travaille tous les jours et qu'on en fait un petit peu chaque jour. Parce que toi, ce n'est pas ton métier. C'est pas du tout mon métier. Moi, je suis prof de français et de latin, en fait, au lycée. C'est bien, du latin. Voilà, du latin. Et alors là, on le voit sur tes dessins, tu adores le végétal. Tu as une passion pour le jardin. J'aime beaucoup les fleurs. En fait, peindre des fleurs, c'est plus simple, puisque c'est par des gestes, en fait. On forme des pétales, etc., des feuilles, et c'est juste des gestes. Tout est fait spontanément avec le pinceau. En fait, le pinceau fait la moitié du travail ou les trois quarts du travail. Donc, c'est ça qui est passionnant, en fait. Donc, tu valides, Stéphane, c'est plus facile de dessiner des fleurs et des feuilles plutôt qu'autre chose? Je ne suis pas sûre que ce soit plus facile, mais ce que je remarque là, c'est qu'il y a un vrai travail d'observation. Et l'observation... Une observation assez élémentaire, mais il y a le bon nombre de pétales, il y a vraiment, c'est ce regard-là aussi qui te permet de rentrer dans ce qu'est la plante pour ensuite en faire quelque chose. Pour mémoriser les noms aussi. J'adore les planches de recherche que tu fais d'ailleurs. C'est ça, alors si on regarde de près, c'est des noms que j'invente un peu, plus ou moins. C'est pas forcément les vrais noms, c'est les noms que je me donne dans ma tête. Alors nous aussi on va se lancer, on va faire un aquarium fleuri, c'est comme ça que je t'ai repéré, ça consiste en ça Stéphane. On commence par quoi? Par le choix du papier? Alors tout à fait, hein, on commence par choisir du papier. Donc ce que je vous conseille pour débuter, c'est, même si c'est plus cher, d'aller directement dans le papier coton parce qu'on va voir les fusions se faire. Et là, le principe, c'est vraiment de jouer sur le côté transparence. Bon, ben on va s'asseoir, on va s'y coller. Ça marche. Avec l'aquarium fleuri, ce qui est super, c'est qu'on peut faire des fusions pour faire l'effet flou. Et en fait, on peut faire des feuilles avec beaucoup d'eau, donc assez transparentes. Et dessus, on rajoute, on va direct au godet qui a été préalablement mouillé, on prend et on ajoute directement la couleur sur l'endroit qui a été mouillé. Comme ça, ça se diffuse tout à fait naturellement et ça fait ces fusions qui sont super à l'aquarelle. Mais c'est pour ça que cette peinture-là, moi, ce que j'aime, c'est que quoi qu'on fasse, même si c'est pas bien positionné ou quoi, il y a cet effet flou, cet effet joli des fusions des couleurs et des contrastes en fait. Faut pas hésiter à mettre des feuilles très peu pigmentées et ajouter beaucoup de pigments sur d'autres feuilles. Des feuilles très foncées et d'autres très claires pour faire le contraste. Alors on le voit dans ton travail, l'aquarelle peut prendre vraiment plusieurs formes, très épurées où là on va jouer avec les transparences d'eau ou quelque chose de très travaillé comme tu as fait là en fait. Oui c'est ça, et là en fait je l'ai fini à la gouache pour faire vraiment ces contrastes que j'aime bien mais qu'on peut réussir à avoir à l'aquarelle si on va chercher la peinture directement au godet qui est justement très pigmentée ou ajouter beaucoup d'eau pour avoir cette transparence qui est sympa aussi. Pour finir le dessin, en fait, on fait le tour de l'aquarium avec une couleur un petit peu plus dorée ou un petit peu plus brillante pour faire vraiment le contour. Et en attendant bien que ça sèche, parce que Carole n'a pas attendu. Et du coup, sinon, ça fusionne avec le reste. Mais si on attend un petit peu, après, ça fait plus net et on est paré. Bon, Stéphane, t'as une meilleure note que moi. Et on n'en est pas là. On n'en est pas là parce que justement, ce dont il s'agit, c'est du plaisir. Du plaisir de faire chaque jour, de se détendre à ça, pour finalement revenir dessus 15 jours après et se dire que vraiment, c'est ravissant. Et être satisfait de ça. Mais c'est ce à quoi tu invites les gens. Persévérer d'une certaine façon sans se mettre la pression. Bon, je vais persévérer, promis. Bravo. Merci Anne-Claire. Parfois, les difficultés de la vie nous font changer de trajectoire. C'est ce qui est arrivé à Laurence Boxberger. À 40 ans, elle a décidé de se lancer dans la production de la méconnue spiruline. Pour devenir spirulinière, déjà, il faut aimer ça. Il faut aimer les micro-algues, il faut aimer travailler dans une serre. La culture de la spiruline, c'est plus un sacerdoce que Du moins la spiruline production paysanne, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de passion. Et on ne fait pas ce métier-là pour s'enrichir. C'est un nouvel aliment. On ne peut pas vraiment le classer dans les légumes, mais c'est un super aliment en fait. C'est classé dans les super aliments en tous les cas. Alors l'opération du jour, hop, préparation pour aller récolter la spiruline. Donc là, je vais prendre la densité de spiruline qu'il y a dans le bassin avec un disque de Secchi. Et je vois qu'on est à 2,5 de Secchi, ce qui me permet de dire qu'il y a assez de spiruline dans le bassin pour pouvoir en prélever une partie et laisser évidemment toujours de la spiruline dans les bassins pour que ça puisse se régénérer derrière, après l'avoir nourri évidemment, et recommencer une récolte dès que le Secchi le permet. C'est pas une algue comme on a l'habitude de voir dans la mer, hein, c'est une algue d'eau douce. Même si les milieux sont légèrement salés, voilà, on n'est pas salé au même taux que la mer. Et on a des pH relativement élevés, entre 9,5 et 10,5. C'est ce qui fait que c'est un aliment basifiant pour l'organisme. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. La spiruline, là où elle prolifère le mieux, ou là où les cellules se multiplient le mieux, c'est quand il y a réalisation de photosynthèse. Pour la réalisation de la photosynthèse, on a besoin de 3 critères qui sont la lumière, la température des bassins et la nourriture. La spiruline, elle ne grandit pas, elle marche par division. Hein, d'une cellule, on en fait 2, qui en font 4, qui en font 8, etc. etc. C'est comme ça que ça se multiplie dans les bassins. Voilà, donc je vais lancer la corde. Et là, je récolte la couche flottante du bassin, puisque j'ai une souche relativement flottante. Ma souche est d'origine indienne, c'est une Lonar, trouvée à l'état naturel dans le lac Lonar. Donc là, on a une couche bien épaisse qui arrive. En fait, la spiruline, elle a été redécouverte, on va dire, par des missionnaires qui se promenaient au Tchad et qui ont vu qu'effectivement, il y avait un peuple qui s'alimentait de cette spiruline dans le lac directement, le lac Tchad. Et ils trouvaient que ce peuple était plutôt en forme par rapport à d'autres qui étaient autour. Mais il y en a un petit peu partout. De la spiruline à l'état naturel, t'en as au Mexique, en Inde, en Birmanie, au Maroc, voilà, donc pour le moment on fait avec des souches déjà répertoriées et puis bientôt je pense qu'on pourra récolter, du moins produire de la spiruline à 100% française. Voilà. Du coup on récupère la spiruline filtrée, hein, ce qui fait une espèce de biomasse verte. La spiruline, c'est d'abord et avant tout de la protéine. Hein. On est sur un aliment très protéiné. Ce sont les vitamines, les sels minéraux, les acides aminés, les oligo-éléments. C'est très complet. Voilà. Il nous manquerait 2 choses essentielles, c'est la vitamine C et les oméga-3. Il y en a qui disent que ça sent un peu l'amande, la noisette, voilà, il y a un petit côté aussi torréfié. Donc voilà, c'est très bon. Ça croque, c'est salé. On travaille vraiment sur un produit innovant qui est la spiruline, même si elle existe depuis 3,5 milliards d'années. J'ai choisi la culture de la spiruline pour une reconversion, en fait, pour la volonté de vouloir travailler dans ma propre entreprise, créer ma propre entreprise et reprendre en même temps l'exploitation familiale qui était une exploitation de maraîchage. Et voilà, de refaire vivre une ferme qui partait à l'abandon. Et je trouvais ça dommage de laisser un tel outil, un tel espace à l'abandon, justement. Voilà, le paysage agricole français a besoin de gens qui reviennent un peu vers les fermes et pour notre alimentation et pour notre souveraineté alimentaire. nous allons tailler les buis et nous les taillons maintenant. Oui, maintenant. Vois-tu, parce que depuis quelques années, le monde a changé et la vie du buis a changé. Nos pauvres buis, qui étaient les plantes les plus résistantes de nos jardins, sont devenues peut-être les plus fragiles et les plus vulnérables. Tu penses à la pyrale du buis? Je ne pense pas qu'à ça, vois-tu. La pyrale, elle est venue après un autre inconvénient, un champignon, enfin deux champignons, Volutella buxi et Cylindrocladium buxicola. C'est des moisissures qui se mettent derrière les feuilles. Tout d'un coup, tes feuilles deviennent grises, deviennent noires et tombent. Et j'en ai arraché 200 au fond du jardin et j'ai réussi à sauver ceux-là. Et voilà, c'était avant que nous changions de fusil d'épaule. Le premier changement a été la date de taille des buis. D'habitude, c'est au printemps, c'est ça? Mais oui, c'était avant la Saint-Jean. C'était bien, je taille mes buis avant la Saint-Jean. Avant la fête. À partir du mois de mai, ça commence à vraiment pousser. À partir du mois de juin, ça commence à s'installer, à durcir. Et là, tu tailles. Sauf qu'il s'avère qu'à cette période-là, les nuits sont encore fraîches, encore humides. Et ça, c'est une porte d'entrée formidable pour ces champignons, tu vois, dans les coupes toutes fraîches, comme ça. Donc, nous avons décidé... en commun accord avec les chercheurs spécialisés dans l'affaire, de déplacer nos tailles de buis plutôt vers la mi-juillet, quand les nuits sont plus sèches, quand l'été est installé. Certes, ils peuvent avoir des traces de brûlure, mais ils cautérisent plus vite et pour le coup, le champignon pénètre moins facilement dans la feuille. Tu as un retour d'expérience de combien de temps? De là, ça fait 3 ans que ça va mieux. Mais, je n'ai pas dit mon dernier mot. Une fois que j'ai taillé les buis, j'opère un petit traitement. Alors là, c'est le retour de la bouillie. C'est le retour de la bouillie bordelaise. Mais et des odeurs. Du purin d'ortie, tu as raison, et du savon noir. Donc, eh bien, allons-y. Alors, pour tous ceux qui veulent la recette, il faut revoir l'émission de la semaine dernière. Non, c'est pas la même. Ah, pardon, je croyais que tu ressortais le bidon de la semaine dernière. Non, c'est pas le même. Ok, je te parce suis. Que c'est pas le même mélange, tout à fait. Et ce n'est pas pour les mêmes raisons. Ce n'est pas pour les tomates. Tu vois, le druide. Le druide a plusieurs recettes. Le druide me fait peur. Donc voilà. Pour les tomates, nous avions mis une certaine quantité. Et là, je vais mettre celle qui correspond aux arbres fruitiers. C'est-à-dire ? Oh, écoute, c'est écrit sur le paquet, hein, tu liras ça plus tard. Ah, le druide est très approximatif. Pas du tout. Ici, ça correspond à 3 dosettes, voilà, j'ai vérifié. Voilà, je commence à mélanger ça. Ensuite... du savon noir. Pour que ça colle. Et après, je vous parie, purin d'ortie et eau. Eh ben oui, t'as gagné. Mais tu vas m'expliquer pourquoi? Parce que... Attends. 2 secondes, je verse mon truc là. Attends, la bouillie, ça fixe le sulfate d'azote. C'est ça? Ah, vas-y, continue, enfonce-toi. Je vais regarder en replay. Allez, le purin et un peu d'eau. Pour alléger l'air. Ah non, parce que si je ne mettais pas d'eau, ça pourrait brûler les buis. C'est trop fort. Mais là, tu vas avoir des buis bleus, en fait. Eh bien, tant pis. Je préfère avoir des buis bleus vivants que des buis verts, enfin, bruns, morts. Tu comprends? Oui. Ce qui s'est passé. Pourquoi la bouillie bordelaise? Nous savons que le sulfate de cuivre protège les plantes contre les maladies cryptogamiques. Oui. Nous avons affaire à un champignon. Sauf que, depuis quelques années, des pépiniéristes belges ont fait des études sur les buis. Donc, ils se sont aperçus que les pores des feuilles des buis indemnes de la maladie étaient plus petits que les pores des feuilles des buis qui attrapaient les 2 maladies. Donc, que se passe-t-il? C'est que ces feuilles sont plus coriaces et qu'un apport de calcium rend les feuilles du buis plus coriace. Il va réduire la dimension des pores. Donc, qu'y a-t-il dans de la bouillie bordelaise? Du sulfate de cuivre, mais quoi d'autre? Quelque chose pour réduire les pores. De la chaux, effectivement. Et c'est l'apport de chaux qui va participer au renforcement de la structure des feuilles du buis. C'est génial, ça, non? Ensuite, eh ben, il y a mon purin d'ortie. Qu'est-ce que tu veux? C'est un engrais foliaire. C'est un engrais azoté qui va aider le buis à faire de nouvelles feuilles et aussi à se prémunir des choses qui l'attaquent. L'azote d'origine chimique affaiblit les buis. Ils poussent, mais ça ne les renforce pas. Alors que l'azote organique, purin d'ortie, ça aide le buis à renforcer ses défenses. Donc voilà, on va pouvoir vaporiser nos buis après les avoir taillés afin de les renforcer. Quelle histoire panoramix! Oui, mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a justement cet autre inconvénient avec lequel tu as commencé. La pyrale du buis. Ouais, c'est une chenille. C'est un papillon qui est arrivé il y a une dizaine d'années, qui a envahi tout le pays. Ouais. Et c'est ce papillon de nuit, comme ça, qui vient pondre à l'arrière des feuilles. et ensuite apparaissent des chenilles, et ces chenilles, elles vont dévorer les feuilles des buis. Il n'y a pas 50 000 manières de se prémunir de ces choses-là. Première solution, tu prends ton mal en patience et tu vas épioter les buis au moment où les chenilles sont là. C'est 3 fois par an puisqu'il y a 3 cycles de ponte. Tu vois le temps que tu passes à faire ça. Mais bon, tu prends ton petit seau, tu prends la chenille, tu la mets dans le petit seau, tu vas en chercher d'autres, toc, 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 ainsi elles ne mangeront pas les feuilles. Deuxième solution un peu moins fatigante, là juste à côté de toi, il y a un piège à phéromones. Dans les magasins, tu peux trouver des pièges de confusion sexuelle qui vont attirer le papillon la nuit dans ce piège. Et lorsqu'il y aura 1 ou 2 ou 3 papillons dans le piège ouais. Là tu te dis, il a pondu. Ah. Il ne va pas attraper tous les papillons. Et c'est là où tu vas fouiller dans ton buis pour trouver les chenilles. C'est là où c'est un indicateur, quoi. Et absolument, je vais voir si elles sont là, si elles ont commencé de se développer. Et à ce moment-là, je prends mon vaporisateur et je vaporise du Bacillus thuringiensis qui bloque les mâchoires de la chenille et la tue. Dernière chose, toutes les mauvaises nouvelles ne sont pas que des mauvaises nouvelles. Nous sommes envahis par les frelons asiatiques. Il y en a un peu partout et il s'avère que le frelon asiatique est un prédateur de la chenille du buis. Ah. Il la mange. J'en ai fini avec les buis. Des solutions naturelles, Stéphane, et ça fait le lien avec le reportage qui va suivre puisque nous nous intéressons au zéro déchet. L'envie est bien présente de réduire nos déchets. Nous voulons vous accompagner dans cette transition à travers 2 initiatives en cuisine et au jardin. Nous sommes chez le premier horticulteur français qui propose des plants sans déchets. Le zéro déchet en horticulture, c'est une révolution. L'horticulture, c'est beaucoup de déchets. On a tous eu, quand on a planté les plantes, avec des tas de godets en plastique, des tas de barquettes, des tas d'étiquettes aussi qui sont de plus en plus grosses. On a pris le chemin inverse. On s'est donné pour objectif en fait, de d'abord supprimer le plastique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, 100% des végétaux que l'on produit n'ont pas de contenant en plastique. Ça veut dire pas de godet, pas de pot, pas de plaque de manutention. C'est 0 plastique à 100%. Pour remplacer les pots en plastique, l'entreprise horticole utilise un tea bag. Le tea bag, c'est un petit sachet en amidon de maïs dans lequel il y a de la fibre de coco. Donc le tout est complètement biodégradable. On le met dans le sol, il n'y a pas de peau, il n'y a aucun résidu et ça va se dégrader naturellement au cours du temps. Rien n'est en plastique, même pas le pic et même pas l'étiquette qui est avec la plante. L'étiquette, elle est tenue par un pic en bambou naturel et elle est accompagnée d'une petite étiquette en papier imprimée avec de l'encre végétale. Donc aucun danger de la mettre dans son compost ou au recyclage. La plante pousse à l'intérieur, donc ici elle est cultivée dans le tea bag. Une fois qu'elle arrive chez le petit jardinier, elle est mise en terre telle qu'elle et il n'y a plus rien à faire. On fait un trou, on plante la plante, on referme et c'est fini. Grâce au tea bag, on n'a pas à dépoter, il n'y a pas de chignons racinaires et donc quand on les plante, il y a très peu de problèmes de reprise. Le zéro déchet est aujourd'hui en pleine expansion et touche tous les secteurs. Les abeilles, c'est la passion de Delphine et le traitement des déchets, sa formation. Rien d'étonnant à ce qu'elle soit devenue, dès la première heure, une adepte du zéro déchet. Comme je suis de nature écolo, un jour j'ai découvert les bivraps. Donc c'est un tissu coton classique qu'on enduit de cire d'abeille qui sert à remplacer le film aluminium et le film plastique en cuisine. Comme j'avais de la cire d'abeille, j'ai fait mes premiers bivraps pour utiliser à la maison. Ça conserve mieux les aliments parce qu'en plus, les aliments respirent à l'intérieur. La cire, les abeilles l'ont fabriquée pour pouvoir conserver leur miel. Ça protège de l'humidité, ça empêche les champignons de se développer. C'est un matériau naturel, réutilisable et en fin de vie, il est compostable. Donc le produit, il est génial. Ça n'a pas marché tout de suite pour faire ma recette, hein. Au début, il n'y avait que de la cire d'abeille, comme on voit sur les tutoriels. Puis ça ne me convenait pas. La cire d'abeille, elle est cassante, elle est trop dure. Et j'ai introduit la résine de pin pour donner plus de souplesse à mon film alimentaire. Et pour ne pas faire comme outre-Atlantique de l'huile de jojoba qu'on n'a pas en France, je suis allée chercher de l'huile de tournesol. Donc j'essaye d'avoir des ingrédients locaux. Le tout sert à enduire un coton bio tissé dans les Vosges. Delphine a voulu ses bivrappes sobres et naturelles pour réussir à proposer le meilleur rapport qualité-prix possible et sensibiliser ainsi le maximum de familles. La recette a fait mouche. Sa petite entreprise connaît un joli succès. J'ai démarré de manière très artisanale toute seule il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on a explosé. On est une dizaine de personnes à travailler dessus. On en est à un point, on fait 2500 mètres carrés de tissus vendus par mois. Retour dans l'entreprise horticole Zéro Déchet, qui connaît elle aussi un très bon démarrage. Elle a doublé sa production en 1 an et prévoit encore de la multiplier par 2 pour l'an prochain. Le projet, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Il est encore long pour arriver à une version 100% éco-responsable, 100% géniale et 100% parfaite. Aujourd'hui, on a fait une partie du chemin. Maintenant, la grande étape dans le projet, la prochaine évolution, c'est le changement de contenant. Aujourd'hui, on est sur le tea bag. Le tea bag, c'est une solution en fait, qu'on achète au Sri Lanka, qu'on achète alors très compressé. On met à peu près 10 000 modes dans 1 m3 de container, donc c'est très bien. Mais on a trouvé mieux, c'est-à-dire qu'on va basculer sur une solution franco-française. On va avoir un pot en bois, un pot fertile en fait, qui vient des Vosges, et un substrat qu'on va mettre à l'intérieur de ce pot qui va venir de l'autre côté de Nantes. Donc ça veut dire qu'on est encore dans cette notion d'amélioration continue et on essaye de relocaliser le produit. Et on va continuer d'avancer dans cette voie, très clairement. De son côté, Delphine continue de s'occuper de ses abeilles. Mais elle travaille aujourd'hui sur des tissus alimentaires à la cire végétale pour pouvoir se passer à long terme de la cire d'abeille. C'est vrai que les abeilles sont des espèces qui sont menacées et on n'est pas certain dans le temps de pouvoir... avoir les quantités de cire propres dans les qualités qu'on recherche de manière pérenne. Donc on fait des essais, on fait des tests. On n'a pas encore complètement, on affine la formule pour trouver la formule qui sera stable et qui va durer dans le temps avec la qualité qu'on souhaite. L'odeur n'arrive pas jusqu'à vous, mais je vous assure, ça sent bien fort le basilic. C'est bien. Ici, il fait chaud et c'est bien aussi. Parce que le basilic, il aime la chaleur. Il vient d'Inde, il aime la chaleur et l'humidité. Et c'est la raison pour laquelle, ici, nous le plantons dans le tunnel. Regarde ce rang. Incroyable. Il est beau, il est trop... Oh, tiens, une mauvaise herbe. Magnifique, magnifique. Sauf que le basilic, c'est une plante annuelle. Donc, c'est une plante, tu la sèmes. Elle pousse, elle fleurit, elle fait des graines, elle meurt. Et tout ça en 2 mois. Ce qui fait que lorsque tu veux manger du pestou, souvent... Tout l'été tout l'été, tu vas semer du basilic tous les mois. Vois-tu, et là, je voulais te demander si tu préférais le basilic pourpre, le basilic à petites feuilles ou le basilic à grandes feuilles. Alors moi, j'adore le basilic à grandes feuilles, le classique, mais je peux me laisser tenter quand même par le basilic petites feuilles. Je suis une femme basilic. D'accord. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir partir avec un bouquet de basilic à grandes feuilles et nous allons semer un rang de basilic à petites feuilles. Moi, je m'occupe de cette partie-là, tu t'occupes de cette partie-là. Donc, j'ai ameublé la terre, pas très, très profondément. J'ai ajouté un seau de compost, j'ai ratissé, j'ai bien mélangé, j'ai creuser un sillon d'à peu près 2 cm de profondeur et nous allons disposer nos graines dans ce sillon, pas trop proches les unes des autres parce que je vais t'expliquer ensuite. En fait, ce qui se passe, c'est que le basilic, au tout début, tu peux, lorsqu'il est petit, tu vas devoir le laisser à peu près en laisser un tous les 10 cm. Ce qui fait que tu vas éclaircir ton rang et faire du pesto ou aromatiser tes tomates avec ce que tu vas avoir enlevé. Et puis ensuite il va continuer de grandir. Donc lorsqu'il mesurera à peu près 20 cm, tu en couperas la moitié. Parce qu'il faut absolument l'empêcher de fleurir. Sans quoi il va mourir prématurément. Voilà. Si tu veux bien me passer le terreau à présent. Donc là, l'idée, c'est de combler le sillon avec du terreau sec et de le plomber avec le râteau. Tiens. Voilà. Ensuite, tu vas prendre l'arrosoir. Et beaucoup d'eau. Oui, mais les pommes retournées, ça va faire un arrosage tout à fait délicat. Voilà. En fait, tu vois, c'est une culture qui est tout à fait la bienvenue entre les rangs des pieds de tomates. Ça ne mange pas de pain, ça ne prend pas de place. Donc, lorsque nos plants mesureront 25 cm, qu'ils seront adultes, nous veillerons à ce qu'il y ait une distance de 25 cm entre chacun d'entre eux. Que ce soit pour les petites feuilles et les grandes feuilles, c'est pareil? C'est pareil. Et dans un mois, j'en ressème un autre rang. Et youpi. Ça, je sais, t'es accro. Bon, avec les tomates de la semaine dernière et ce basilic, je crois qu'on est au point, Stéphane. On est au point. Nous restons en Normandie et cette région n'a pas fini de nous épater. Nous allons visiter avec Stéphane le jardin d'Albizia. 12 paysages très différents, que ce soit un labyrinthe, une jungle ou encore beaucoup de jeux vous attendent. Vous allez beaucoup vous amuser. Dans le comté de Bayeux, un incroyable jardin a vu le jour. Un lieu à tiroirs qui, comme des poupées russes, n'en finit pas de se déboîter, d'offrir encore et encore plus de surprises. Ici, 15 chambres, ou plutôt séquences, attendent le visiteur. C'est incroyable de penser qu'il y a encore 15 ans, ici, c'était des champs ouverts. C'était une grande plaine avec des chevaux. Et d'ailleurs, le premier travail a été pour moi de cloisonner les espaces pour créer des chambres, dont le premier a été le labyrinthe. Ouh, c'est la gorgone. Ouh. Donc Frédéric, ce qui est fou, c'est que tu as fait des études de paysage. Oui. Okay. Tu as une folle envie d'avoir un jardin. Exactement. Et tu décides de commencer par un endroit hyper cloisonné. Oui, l'idée de chambre, c'est aussi de définir un périmètre dans lequel on va pouvoir raconter des choses. Donc pour moi, ça passait par la plantation de haies, puisqu'ici, nous étions dans un herbage. Et ce lapin, cette gorgone. Donc ici, en fait, tu peux voir des œuvres en fait, d'une artiste mosaïste qui sont là pour raconter des histoires et qui sont reliées en fait, à des jeux qui se passent dans le jardin en journée et le soir. Mais ça, ce sont des choses que nous verrons peut-être à la fin de la visite. En attendant, j'aimerais bien voir comment ça se déplie. Tu vas voir, on est comme dans des jardins, un pop-up. Pop-up. En fait, les chambres, ça a aussi l'avantage de créer des microclimats. Exactement. Ici, j'avais envie de créer une zone où le végétal vient en contact avec toi. Tu vois des feuilles de toutes les formes, un petit peu un mélange comme dans une jungle. Là, en fait, c'est le jeune jardinier, le jeune paysagiste qui met en œuvre un peu tout ce qu'il a aimé découvrir et tout ce qu'il a appris peut-être. En fait, ici, on est dans la première genèse des jardins d'Albizia. Effectivement, qui est une récitation de tous les éléments que j'ai pu apprendre à l'école de paysage. Où je mets telle ou telle plante, est-ce que ça fonctionne ou pas, est-ce que j'en mets une ou plusieurs. Aussi de répondre à plein d'envies de jardin. Comment introduire beaucoup d'envies dans un jardin. En fait, cette phase-là, c'est l'apprentissage du jardinier qui devient jardinier. Là, tout d'un coup, tout de même, c'est une ouverture. On pousse les murs. Et on fait une grande perspective pour donner de la respiration au jardin sur 130 mètres de long. Donc là, on est vraiment dans la délectation des plantes, on s'amuse à planter. Et on sent qu'une fois qu'on aura croisé les angelots au fond du jardin, on va passer à autre chose. Oui, ici, on est à la fin de la récitation de ce qu'on a appris à l'école. Ouais. Donc j'ai, à partir d'ici, dessiné et façonné le paysage à ma façon. Ah, allons voir. Là, il y a beaucoup de graminées. Oui, tu as une allée de Miscanthus gracilimus. Et juste en dessus, là, on a vraiment le bocage qui est derrière. Il est comme posé sur un boa de graminées. Là, nous sortons d'un jardin beaucoup plus formel, graphique et sans fleurs. Oui, après l'histoire du mix border, j'avais envie de quelque chose de contemporain, de structuré. Tu vois d'ailleurs la rigueur des haies et du dessin, du tracé, qui est là pour valoriser toujours les arbres du bocage. Et d'ailleurs, pour magnifier cette histoire, nous avons une sculpture ici qui, elle, imprime la ramure du frêne qui est derrière. Exactement. Et là, tout à coup, une porte qui ouvre sur une palissade, par-dessus laquelle on peut voir le bocage. Oui, tu vois, c'est un œil qui est réalisé en street art par un artiste local, dont le travail porte à avoir un regard sur l'action de l'homme, sur le devenir de la nature. Mais elle est complètement zinzin, cette haie. En fait, l'idée, c'est que d'abord, vous accueillez des hôtes. Les hôtes viennent pour voir le jardin, mais pas seulement. Oui. En fait, tu vois ici que le végétal commence à raconter une histoire différente. On est un peu dans l'imagerie des sorcières et du magique. Donc, il faut considérer nos jardins comme un grimoire qui s'ouvre quand le soir vient et qui va proposer à nos hôtes de participer à des activités ludiques, notamment botaniques et culturelles. Donc c'est une façon pour moi d'amener au jardin des gens qui ne seraient pas venus par le biais du jardin directement, mais qui vont découvrir que dans un jardin on peut jouer, que dans un jardin il y a des plantes. Il n'est pas rare qu'on me dise « grâce à vous j'ai envie de jardiner » ou « je m'aperçois qu'un jardin ça fait partie de la décoration d'une maison, ça apporte du bonheur, de la joie. Un jardin c'est vivant en fait. » Et quand ça arrive, je suppose que tu es content. Alors quand ça arrive, oui, c'est pour moi une récompense. Paysagiste, curieux des outils modernes, des jeux de rôle et d'évasion, Frédéric Thinard a poussé loin ses passions pour composer un jardin riche, où le visiteur va prendre le calme sous le regard d'un gorille statufié, où le joueur pourra se lancer dans une aventure originale. Mêlant le charme et le jeu, le domaine d'Albizia retrouve cette vie que d'autres jardins ont connue dans l'histoire. Beaucoup de voyelles pour la plante de la semaine qui ressemble quand même à une agapante, hein? C'est pas tout à fait ça. C'est vrai que ça ressemble à une agapante. On dirait une mini-agapante. Tout à fait. Brodiaea laxa. C'est difficile à dire. C'est une plante de la famille des Aliacées. Et donc, si tu devais la comparer, ce serait plutôt un amaryllis, tu vois. Ah, d'accord. Ouh. Bon, je vais quand même essayer quelque chose. Tu pourrais m'encourager. Bravo. Bravo. C'est une plante qui est originaire de l'ouest des États-Unis. Je ne lui connais pas de petit nom, mais elle a un autre nom. Parce que de temps en temps, les botanistes s'amusent à changer les noms des plantes. Ça m'épuise. Moi aussi. Triteleia laxa, voilà, c'est son nouveau nom. Mais c'est quand même sous ce premier nom, Brodiaea, que je l'ai trouvé chez les marchands de bulbes. Parce que c'est une vivace bulbeuse. C'est une plante qui va mesurer 25 cm de hauteur, qui va fleurir en mois de juillet. C'est un bleu absolument incroyable. D'abord apparaît son feuillage et puis là, il n'a pas complètement disparu, mais généralement, il disparaît, il sèche, avant que n'apparaissent les fleurs en ce moment. Elle aime les sols secs avec du gravier. Mais tu as raison. Elle aime les sols pas forcément elle aime les sols pas forcément très riches, mais fort bien drainés. Des sols qui vont être humides plutôt. Enfin, en tout cas, elle aime bien qu'il pleuve au printemps pour que les feuilles puissent se développer. Et après, que ce soit sec, c'est pas son affaire. Elle s'endort, le bulbe s'endort pour tout l'hiver et il n'y a pas de problème. Elle est résistante à moins 10 degrés. Elle aime les expositions. Plein soleil. Absolument. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir cette espèce de nuage bleu comme ça pendant 2 semaines au-dessus des graviers. Je trouve ça magnifique. Et sa résistance fait qu'elle est au rendez-vous depuis, je sais pas, 7 ou 8 ans que je l'ai plantée. Charme absolu. Brodiaea laxa. Tu vas te mettre au latin finalement. À présent, nous retournons chez Arnaud. Stéphane, il va falloir mettre ton casque et la visière parce que c'est l'heure de tout débroussailler. Après avoir quitté le port, quand la mer monte, Stéphane a retrouvé Arnaud dans la cour de l'ancien logement de la Poste, où il habite. Il voudrait voir disparaître le mur de béton. Le dessin propose des plantes volubiles et d'autres capables de composer une ambiance parfumée. Ça te plaît? Ah, beaucoup. Super. Bon, Arnaud. Oui. On va commencer par passer la débroussailleuse, histoire d'y voir un peu plus clair, de retrouver nos bordures. Ensuite, nous allons enlever les mauvaises herbes, enfin sarcler toutes ces plates-bandes pour voir quelle place il nous reste et s'il est nécessaire d'enlever quelques-unes des agapantes ou certaines autres plantes pour pouvoir installer celles que nous voulons voir pousser ici. D'accord. Ça marche? Ça marche. Parfait. Et hop là. Stéphane a sorti la débroussailleuse rechargeable. C'est moins bruyant. L'espace se dégage peu à peu. Au pied des murs, Arnaud sarcle les plates-bandes afin d'y faire de la place. Les plantes grimpantes sont disposées à leur future place, une glycine, un solanum jasminoïde, une bignonne, avant de creuser les fosses à la bêche et de réserver la terre sur une bâche. T'as vu un peu ça ? C'est un peu sec. Hein. Ouais. C'est pas complètement sec. On sent qu'elle peut adhérer un peu à la peau. D'accord. Ce qui est bon signe du coup. Ouais, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'elle n'est pas complètement sèche. Difficile à distinguer. Enfin, en tout cas, ce qui s'avère, c'est que les 30 premiers centimètres, c'est du sable, c'est très sec. Et c'est simplement au-delà de 30 centimètres qu'on trouve un peu de fraîcheur. D'accord. Donc là, nos pots, ils font 35 centimètres de hauteur. Ça veut dire que les plantes sont très vulnérables et que pendant 6 mois, il va falloir que tu sois assez vigilant, très vigilant avec les arrosages. Après, va venir un hiver pendant lequel il va pleuvoir, pendant lequel elles seront arrosées naturellement. Leurs racines vont s'en aller chercher en profondeur et l'an prochain, elles seront beaucoup plus résistantes. Et du coup, pour cet hiver, est-ce que je dois couvrir les plantes contre le gel? Non, les plantes qui sont ici sont toutes des plantes qui sont résistantes au froid. Et de toute façon, ici, on est à 60 mètres de la mer. Oui. Et dans un endroit absolument abrité du vent. Donc, elles vont plus craindre de la chaleur et du cagnard que du froid hivernal. D'accord. Du terreau et du fertilisant sont incorporés à la terre pour apporter de l'humus et l'enrichir. Un Pittosporum tenuifolium panaché est rejoint par une bignonne dans une exposition plein sud. La glycine, pour sa part, profitera du soleil de l'après-midi. Le chèvrefeuille, moins friand de soleil, est installé dans le coin le plus à l'ombre, pas loin d'un Trachelospermum jasminoïde. Pour les fixer, des petits bouts de liens extensibles sont agrafés directement sur les treillages. Un simple nœud, pas trop serré, et les lianes sont fixées à leur support. Super. Un Formium tenax panaché et un Miscanthus morning light apportent de la clarté. Et voici une plante qui semble plaire à Stéphane. J'adore cette plante. Son nom, c'est Dierama pulcherinum. C'est comme les glaïeuls, comme les crocosmias. Ce ne sont pas des bulbes, ce sont des espèces d'oignons aplatis très très solides. Et on pourrait planter ça à l'automne, tu vois, dans cette terre. Mais là, évidemment, j'ai préféré le prendre pour le planter en fleurs. Cette plante est résistante à moins 10 degrés, elle aime les sols sablonneux, donc c'est parfait, c'est exactement ce qui lui convient, elle est résistante à moins 10 degrés. Mais je pense que, voilà, moins 10, c'est vraiment extrême, extrême, extrême. Elle va se plaire dans cette situation plein soleil et chaque année, elle développe des hampes florales comme ça, qui lui valent ce surnom de canne à pêche des anges. Quand tu touches ces fleurs, c'est drôle parce qu'elles n'ont pas une chair souple, oui, on dirait plutôt... Sec. Oui, du papier de soie, c'est très très étonnant, ça va fleurir jusque la fin du mois de juillet. Et d'année en année, logiquement, elles devraient prendre un peu d'épaisseur. Il faudra tout de même les arroser en été parce qu'elles aiment les sols drainants mais frais. Très bien. Toujours plus de fleurs avec des verveines de Buenos Aires pour leur adaptation à la sécheresse, des cosmos pour passer l'été en beauté, une immortelle de Corse pour son parfum évoquant le curry. Un paillis de fibres de coco est déposé au pied des plantes, il limitera l'évaporation. Pour achever le décor, voici 2 chaises longues en bambou, accompagnées de 3 tables gigognes et de quelques lanternes. Arnaud, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu dis de tout ça? Je suis très satisfait là. C'est vrai? Oui. Bah ça change tout. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces plantes? Est-ce que ça apporte un peu de variété? Ah oui, et beaucoup de variété, les couleurs. Et je pense que là, les odeurs doivent être pas mal. Je ne l'ai encore senti, j'irai sentir après. Et avec toutes ces grimpantes, je pense qu'on va avoir un beau petit coin de paradis ici. Ça me rappelle la forêt tropicale que j'ai connue en Guyane. Et au fil du temps, une fois que j'aurai bien entretenu tout ça, il n'y aura plus de vis-à-vis. Non, hein, je pense que tout ça va devenir une sorte de mur de verdure. Oui, bah, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une nouvelle pièce de l'appartement, donc on a envie de passer plus de temps ici. Et j'aurai plaisir à recevoir du monde pour leur montrer le beau jardin qui a été fait. Eh bien, accompagne bien toutes ces plantes qui vont t'offrir un univers verdoyant. Et promis, j'installerai un arrosage automatique. Super. En quelques heures, la cour d'Arnaud propose une toute autre ambiance. Les voitures autour se font plus discrètes, derrière les plantes volubiles qui vont peu à peu épaissir ce mur de verdure. À leurs pieds, des végétaux de toutes sortes, adaptés à cette situation assez aride, sont venus tenir compagnie aux rosiers et enrichir la gamme de parfums que proposait déjà l'endroit. Un véritable salon d'extérieur. L'émission touche à sa fin, vous savez, on vous rappelle à chaque fois comment postuler pour les pas de panique. Et il y en a besoin, parce que souvent on me demande comment on fait pour que Stéphane vienne dans mon jardin. Bah, s'il vous plaît, inscrivez-vous sur la fiche du pas de panique en allant sur France.tv et regardez l'émission autant de fois qu'il vous plaira. C'est hyper simple et on sera là à la rentrée pour vous aider à réaménager votre jardin, donc vraiment postulez. Au niveau des livres, Stéphane, oh là là! Oh le pavé! Oh là 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 là! Humanité végétale de Mario Del Curto, c'est un photographe, c'est aux éditions Actes Sud. Et Emmanuel Coccia, qui a préfacé le livre, nous dit que cet essai photographique est peut-être la première grande enquête visuelle sur les raisons profondes de cette omniprésence du jardin et sur la cause de son universalité inattendue. Il y a là des photos incroyables qui nous parlent de la présence ou de l'évocation du végétal dans tous les endroits humains ou non humains. C'est complètement éclectique, c'est un voyage absolument fantastique avec des photos à tomber. Quant à moi, Stéphane, ça va être quelque chose de beaucoup plus léger, quelque chose que tu peux emmener à la plage, un cahier de vacances écolo du collectif #OnEstPrêt que l'on avait eu dans Jeune Pousse, tu t'en souviens. C'est aux éditions First. À l'intérieur, tu as 100 jeux et défis pour tester tes connaissances, pour mieux consommer, pour apprendre comment recycler, pour apprendre à respecter tout simplement la planète. Voilà, c'est ludique, c'est malin, mais ça nous rappelle quand même les choses à savoir, les choses à changer. Et en lien avec notre invité du jour, Animaux à l'aquarelle en 5 étapes, c'est de Jenny Boydol. Si vous avez envie de continuer justement l'aquarelle, ça peut vous aider. C'est chez Glénat Créatif. Et vraiment, quand le titre dit 5 étapes, c'est vraiment 5 étapes, Stéphane, parce que tu vas avoir toutes les techniques pour avoir des animaux comme l'ours, le poisson clown, le blaireau, l'écureuil. C'est très joli, très bien fait. Et c'est pareil que Anne-Claire, une autodidacte, quelqu'un qui s'est mise à l'aquarelle et qui a été pris de passion par cette technique-là. Très bien, amusons-nous. Pour l'agenda, Stéphane, on a des rendez-vous? Bah, j'ai une belle initiative, vois-tu, c'est dans l'Artois et dans le Ternois. 6 pépiniéristes se sont dit, l'union fait la force, ils ont inventé Vadrouille en pépinière. Tous les samedis du mois de juillet, ils nous invitent à venir visiter leur pépinière pour nous donner des conseils et nous aider à réfléchir à nos projets. Une autre initiative à soutenir, c'est sur les réseaux sociaux cette fois. Oui, l'association des plus beaux jardins de France et ses membres lance une opération « Un été au jardin ». C'est ludique et c'est une invitation à aller visiter ces beaux endroits. Alors allons-y. C'est la fin de la saison de Silence, ça pousse !. Nous étions ravis de passer ce temps avec vous. J'espère que vous aussi, toute la famille de Silence, ça pousse !, vous remercie de votre fidélité. Je suis sûre que derrière leur caméra, ils se disent « oui, oui, oui ». Nous vous donnons rendez-vous à la fin de l'été. Bien entendu, Stéphane, tu seras là ? Ouais, je crois. Tu viens ? Oui, c'est sûr. Bon, alors à très, très, très bientôt et bonnes vacances. Bel été.